Les cercles sont un lieu unique pour vous apporter des réponses concrètes et des solutions innovantes. Bloc opératoire, imagerie, urgence, RSE et bien d'autres thématiques sont au cœur des cercles de la NAP. Le cercle TOVA vous ouvre ses portes pour échanger et partager autour du virage ambulatoire, en chirurgie comme en médecine, et des changements organisationnels qui l'accompagnent. C'est en nous mobilisant ensemble que nous irons plus loin dans les transformations au bénéfice du patient. Les consultations et les soins externes sont pour la majorité des patients la première porte d'entrée dans les établissements de santé. Il est donc important pour les professionnels qui travaillent d'adapter leur organisation et d'identifier et de déployer des solutions innovantes pour les patients. La chirurgie ambulatoire est un enjeu majeur pour notre système de santé. Cela signifie bien entendu qu'il faut se réinterroger sur le parcours patient. Le cercle TOVA a pour objectif et en tout cas nous a permis de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs et partager toute une multitude d'éléments qui concourent à favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire. Le développement des prises en charge en hôpital de jour de médecine permet à un patient autrefois hospitalisé d'être moins séparé de son environnement social et professionnel. Il permet également aux établissements de redéployer leurs ressources vers une prise en charge plus courte, plus économique et de qualité améliorée. Les hommes, les femmes qui exercent à l'hôpital sont un rouage essentiel de la qualité des soins. C'est pourquoi il est important que nous nous intéressions à leur parcours professionnel et à leurs conditions de travail et nous les accompagnons dans les changements qu'ils vivent. Maîtriser la durée de séjour à l'hôpital, c'est véritablement s'interroger sur la qualité des soins. Les professionnels aujourd'hui doivent relever le défi de l'adéquation de la durée de séjour avec leurs stricts besoins médicaux. C'est très utile pour les professionnels d'avoir ce cercle qui leur permette de rebondir sur des expériences qui ont déjà été vécues, sur des problématiques qui ont déjà été constatées et parfois surmontées, et donc de capitaliser sur les solutions innovantes qui ont été trouvées dans les différents établissements. Un cercle, pour moi, c'est un laboratoire d'idées. Et c'est un lieu d'échange où on peut mutualiser nos expériences afin de tirer bénéfice de l'expérience de chacun et rapporter des idées pour développer de nouvelles activités. Que vous soyez médecin, soignant ou administratif, que vous interveniez dans un établissement public ou privé, vous avez toute votre place au sein du cercle Transformation Organisationnelle Virage Ambulatoire. C'est ensemble que nous arriverons à construire les nouveaux modes d'organisation qui permettent de prendre le virage ambulatoire en améliorant la qualité des soins et en améliorant également vos conditions de travail. Parlez-en autour de vous, venez nombreux aux prochaines rencontres du cercle.